Bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel pays, quelle ville vous recevez. Donc merci à vous de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis dans un petit parc. Vous connaissez tous, c'est Paul. Et je ne suis pas dans n'importe quel Paul, je suis à Paul à Lyon. Vous pouvez voir la rue, l'entrée. Donc là, c'est Paul l'entrée. Vous pouvez voir. Donc, comme ça, vous pouvez voir aussi l'extérieur, il y a Société Générale. Crédit agricole. Juste à côté, il y a Etine. Bref, Etine, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Les gens vont en direction de la gare et en haut. Bon, ceux qui vont y aller vont repérer. Bon, pour commencer, je voulais dire que il y a des nouveaux trucs qui se passent en France. Et il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce qui se crée et ce qui se fait. D'interdire des nouveaux mots, d'interdire des choses comme ça, c'est de descendre de niveau. Je vous explique pourquoi. Quand on retire des mots, on interdit des jeunes à dire des mots, quand on interdit les jeunes à être jeunes. Et donc, les jeunes ne verront pas le monde comme nous on l'a vu. C'est important de les laisser s'ouvrir, de voir dans quel chemin choisir et de ne pas les obliger ou de les enterrer. Voilà. Donc c'est très important. Je dis ça parce que la jeunesse de maintenant, elle ne connaît pas la jeunesse que nous on a eue. Et nous on a eu un peu plus de chance qu'eux, parce qu'on a tout eu. Et on a fait beaucoup plus d'aventures. Donc laissez les jeunes tranquilles, laissez les jeunes vivre, laissez les jeunes connaître la vie, c'est très important. Et pas de leur donner des conseils qui sont pas bons pour eux et pas bons même que vous leur donnez pour qu'eux ne sont pas bons et vous prenez tout la part de vous. Les jeunes, je vous conseille de voyager. Regardez Marseille. Je vous conseille de visiter le monde, pas que la France. La France est un très beau pays. Il faut savoir que en France, il y a des super belles villes, mais dans le monde, il y a des villes de malades. Il faut voyager, il faut y aller à New York, il faut y aller au Mexique, il faut y aller en Algérie, il faut y aller au Maroc, il faut y aller en Espagne, il faut y aller à Dubaï, il faut y aller en Chine, en Suisse, en Japon, en Belgique, il faut y aller en Inde, il faut y aller en Allemagne, il faut bouger. Et il faut y aller en Afrique, il faut y aller partout dans le monde. Et quand vous allez partir partout dans le monde, vous allez voir que n'y a pas que la France qui existe dans le monde, bien entendu. Et puis que le monde ne s'arrête pas qu'à notre langage et à nous. Et ça va vous ouvrir les portes du monde, et vous allez être beaucoup plus riche, beaucoup plus cultivé. C'était Morsay, je suis chez Paul. Et dans pas longtemps, je serai plus en France. Je vous embrasse. Ciao.